Aujourd'hui, lendemain de tempête. Là, ce que vous voyez, les piquets de clôture là-bas, là, ça c'est 6 pieds, 2 mètres. Donc, c'est ce qu'on a de neige en dessous. Je peux me mettre à la hauteur, là. Vous voyez plus grand-chose. Ça, c'est les chiens. Tout le monde s'amuse. Belle journée. Pas trop froid. Aujourd'hui, on est lundi. Le 25 février 2019. Et puis, j'ai décidé de profiter de ce lendemain de tempête pour filmer un peu l'enclos avec les chiens qui s'amusent dans la neige. Puis j'ai des bébés, j'ai deux petites nouvelles que j'ai gardées. Il y en a une qui s'en va par là, et puis l'autre, oups, excusez, elle est là. Ça c'est Naomi. Qui s'en va. Naomi! Où tu t'en vas, mon bébé? Viens, mon bébé! Oui, oui, oui! Ça, c'est une bonne fille! Viens! Ah, oh, un petit bout de bois. C'est ça, elle a un petit bout de bois. Je veux pas se le faire voler. Donc ça c'est Naomi. C'est vu sur le paysage alentour. Tous les autres chiens sont peut-être moins, bien sûr. Puis ça c'est encore Naomi qui vient d'arriver. Je vois pas l'autre. Tout le monde a déjà mangé. Puis là, ben, c'est la période de jeu. Bon, je pense que j'ai trouvé l'autre. Ça, c'est Naomi, on l'a dit tantôt. Et puis l'autre, elle est là-bas. Elle joue avec les grands. Je jouais avec Rouma, un mâle d'un an et demi, qui n'a pas servi encore. Là-bas, on a Buddy, un mâle d'un peu moins d'un an, 9 mois, 10 mois. Certain qu'il n'est pas servi encore. Mes deux petites jeunes ont chacun un petit bout de bois. J'ai derrière ici que j'essaie de montrer, ça c'est Champagne. Hein? Champagne. Ça c'est un mâle qui sert pour la reproduction. Ange coude certifié. Pleine santé. Champagne.
c'est un mâle qui va avoir 2 ans au mois de juin. Et puis, Cooper qui est là-bas. Et voilà, qui nous regarde. Cooper! Cooper! Wow, wow, doucement! Ben là, je peux plus vous le montrer. Hey, hey, laisse-la tranquille. Rouma, laisse-la tranquille. Oui. C'est Cassanade, la foncée. On a Alanis, ici, avec à côté Shiraz, jeune femelle. Ça servit encore pour la reproduction. Hey là, les toutous, Champagne. Il y a des filles sûrement qui commencent à avoir des chaleurs peut-être bientôt. Là. C'est peut-être pour ça que j'entends des petits grognements de... Ça, les grognements de jeu, ça c'est pas la même chose, là. Mais des jappes et plus agressifs. Là. Sûrement qu'un mâle était peut-être un peu entreprenant et que la femelle n'acceptait pas. Hey, hey! Doux, là! Hey! Doux! Oui! Doux! Oui, oui, oui! C'est ça. Rouma est un peu trop à sentir ma femelle à l'anis. Puis elle aime pas ça. C'est un jeune mâle en plus, donc... Ben, c'était ça. Ça, c'est ma grange. Je sais pas si on peut dézoomer un peu. La grange. Comme je vous ai dit tantôt au début, là, les piquets arrivent à 6 pieds, 2 mètres. Donc, je vois ici là, qu'il me reste à peu près 40 cm, un pied et demi, il va falloir que je remonte un peu la clôture. Sinon, on risque d'aller chercher des chiens ailleurs. L'autre côté, je l'ai déjà monté. L'autre côté, au total, je crois que j'ai 4 et j'ai 8 pieds, presque 3 mètres. Ici aussi, j'ai 8 pieds. Des pommiers avec des pruniers à l'intérieur de ça, ma forêt. Puis comme on voit pas, mais derrière la grange, il y a toute la forêt. Mais deux champs et une forêt de terre. Je lance ça comme ça. Je suis seul qui m'occupe de tout ici. Une partenaire pourrait être fort, fort intéressant pour un et pour l'autre. On lance dans les airs, sait-on jamais. C'est plus tranquille. Hey les chiens! Les loulous!
sont tous rendus près de moi. Oui, les chats. OK, go, go, go. Hey, go, 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 go. Non, d'où les chiens? Ils ont accès à rentrer dans la grange, c'est vrai, je peux. Je leur ai fait un peu un abri pour pas que la neige s'infiltre. L'accès est ouvert à tout temps. Les petits vont souvent jouer. Oh! Elle vient de me voir. Oui, doucement. Hein? Oui. OK, les chiens. Attention. Ici, on a Bella, femelle qui vient d'avoir des petits. On voit un peu, je ne sais pas si vous voyez, là. Mamelles sont encore un petit peu pendantes. En pleine forme. Elle a eu 9 petits. Elle est encore en pleine forme. Ça paraît même pas, on dirait. Vous voyez les chiens dans leur habitat. Je crois qu'ils ont l'air bien. Mon petit jeune body. Pour ceux qui connaissent un peu mon élevage, oui, j'avais un chien buddy qui était un mâle reproducteur chez moi. Malheureusement, il est décédé il y a quelques mois. Et l'an dernier, il venait d'avoir 10 ans, ce buddy. Et j'ai décidé de ne pas prendre de chance et de de garder un petit mâle sur la portée que j'ai appelé Buddy Junior. J'ai bien fait. Parce que ce mâle-là, le body senior, n'a jamais plus reproduit. Donc, j'ai eu mon... Et il est très joli. Un mâle de 8 ou 9 mois. Ah, champagne! Champagne! Question de dominance, c'est pas une question de sexualité. Champagne! Bon chien. Oui, bon chien. OK, ça, c'est mon body. Champagne, mon autre mâle. Bon, mais quand même une vidéo de tout près de 14 minutes. Vous avez pu voir pas mal tout le monde. J'ai pas nommé tous mes femelles, toutes mes femelles, mais... À un moment donné, je vais faire des vidéos plus spécifiques de chacune de mes femelles. Puisque je viens de m'installer, là, je suis arrivé ici, à cet endroit-ci, le 30 juin. Rien d'installé, ou à peu près. Donc, je suis en construction tout le temps. Et je suis seul, comme j'ai dit. Donc, à un moment donné, ça avance moins vite. C'est pas grave. On a tout le temps. Je fais ça à temps plein, moi. On va dans la forêt, couper notre bois, on chauffe au bois. Presque pas à l'électricité. La maternité a été chauffée à l'électricité cet hiver, c'est tout. Pour les chiots. À la maison, c'est le chauffage au bois. Faut garder une bonne température pour les bébés. Mais nous, on peut s'en sortir. Hey les toutous! Hey doucement! Ça c'est deux femelles. Puis une qui liche trop, l'autre elle aime pas. Hey! Hey!
Sandy. Celle qui lichait, c'était Sandy. Donc elle va être soumise à Cassonade. Cassonade, c'est un peu la matriarche. Oui, c'est la plus vieille ici. Fait que c'est peut-être pour ça que tout le monde la respecte. Hey, puis elle aime pas ça à un moment donné. Hey, c'est assez. Bon, c'est bien. Je vais arrêter tout ça. J'espère que vous avez eu un bon visionnement. Regardez-le et re-regardez-le encore et encore. Éventuellement, il va en avoir d'autres avec les avancements de la fermette. Et puis, plus le chenil et l'intérieur et tout. Bonne journée à tous! Bon hiver! On achève. Bonjour!